Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec mes flightmates. Bonjour. Alors, je vais faire, c'est une vidéo où je vais déballer mes colis, voilà, c'est juste pour rigoler, pour s'amuser. Et je fais ça pour eux, hein. Je sais pas s'ils comprennent. Et voilà, donc oui, on commence ce unboxing maintenant, c'est parti. Ok, say something. Hello, my name is Marcos, nice to you. Subscribe. Hit us with a like, please. For you, that is for you. For you. Merci beaucoup. That is for me. Donc ça, c'est, vous savez pas ce que c'est pour sous les moteurs, c'est anti-vibration. Ça permet d'éviter les vibrations. Ok, that is that. Beaucoup de couleurs différentes. Voilà, hélice 4 pouces. Vous verrez après, je les mets petit à petit ici. Et vous allez voir ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Savoir, non. What is that? Oh là là, ça c'est très beau. I don't know what it is. Alors, je ne sais pas. C'est une runcam. C'est la runcam split. Donc c'est une caméra qui permet de filmer en FPV, enfin pour le FPV, et qui permet de filmer en HD, ou en full HD, en 1080p. Voilà, je vous la montre de plus près. C'est joli, hein? Oh là là, c'est belle. Oh là là! Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tu penses? What is that for you? For attaching different elements to the drone. Yes, and this. To attaching different. It's a frame, a carbon frame. C'est donc ça, c'est le châssis. Un châssis en carbone. Donc c'est un 160. Un 160 mm, ça permet de faire une machine en 4 pouces. Tu comprends? Yes. Okay, je fais comprendre. Hein. Same props, les mêmes hélices en 4x4x3. Donc je vais les tester, je sais pas vraiment ce que ça donne, on verra bien. Au pire, je changerai. Beaucoup de choses. Oh là là. Bon, ça, je sais ce que c'est. Ça, c'est une micro SD. Bon, voilà. Je dis merci, bon goût. C'est eux qui m'envoient tout ça. Et grâce à ça, je vais pouvoir vous faire une petite machine sympathique pour faire de vidéos sympathiques. Ça permet d'enregistrer sur une caméra qui filme en 4K, que je n'ai pas encore. Et qu'est-ce que c'est, Félix? Qu'est-ce que c'est? It's a motor. It's a small motor. C'est des petits moteurs Cobra. Oh là là. Donc, bah, je vous ai fait la vidéo dessus, c'est cela. C'est des tout petits moteurs qui permettent de monter des hélices 3 ou 4 pouces dessus. C'est très bonne qualité. Très bonne. Oui. Très bonne qualité. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Oh là là. Donc là, il y a des stickers, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un VTX, le VTX 3, qu'on peut le voir ici. Il est microscopique, il est hyper léger. Il permet de monter des toutes petites machines comme ça. What is this? This? Can you explain it in English? Secret thing. It controls all the drone. Okay. You did voilà. It. Ça, c'est une carte. En fait, c'est une carte qui fait PDB. FC, donc c'est la F4 à l'intérieur, je crois, ouais, c'est ça, F4, et ESC, 30 ampères, donc c'est nickel pour faire une machine hyper légère. You want to say something? Non. If there's something, you haven't said anything. It's your time. We just wanted to tell you, Felix is a really nice guy, and he knows the most about drones, so go please subscribe on the channel, hit us with a like. Comment if you want us to appear in more videos. Comment everything, if you thought that we were funny, please ask him to get us in more videos, we will be. Thank you so much. On a pas fini, donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est des tout petits bouts de plastique, c'est des anti-vibrations en fait, ça se met juste en dessous de la carte et ça évite les vibrations. C'est anti-vibration. Ou de la vibration. Ça c'est le XM Plus, le RX, des petits connecteurs. C'est des XT60. I'm so going to buy a drone after all of this information, guys. Et des petits buzzers aussi. Voilà, pour fixer justement la petite carte que j'ai qui est là. Voilà, je crois qu'on a tout, non? We are finished. Yes. Okay. Il n'y a plus qu'à construire, qu'à construire. Voilà. Merci beaucoup. Oui, j'ai juste cette vidéo. Un petit détail. Ah. La vidéo est complètement construite. Alors. Là, je vous ai dit la frame, bah, je vous la montrerai plus précisément. Mais là, j'ai fait pour ce bulbe et pour ces moteurs surtout, il faut faire une petite modification. Parce que, bah, justement, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc la frame n'est pas exactement faite pour ces moteurs. Donc j'ai fait une petite modification et ça fera l'affaire, je pense. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Est-ce qu'elle était bien cette vidéo? It was a great video. Oui. I
a really good video. I think it's the best in his channel actually. Non, voilà, c'était une vidéo juste pour s'amuser. Voilà, ne mettez pas trop de pouces rouges, je sais que ça va pas vous plaire à certains. Mais bon, c'est comme ça, je voulais faire plaisir à tout le monde, ça fait plaisir aussi. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et... Subscribe. And I'll see you, bye, thank you. Bye. Hit us like in the bottom you see, like right here on your screen. And if you would like to see us in more videos, just comment. Okay. Okay, that was funny. I have always wanted to say, please subscribe, hit us with a like, so yeah.